Depuis après, Walter Wessel Voltaire fin rend ordonnance li sous ça qui gen pour ak assassinat et président Jovenel Moïse la, réaction yo pas suspend tombé. En pile nan moun ki inculpé yo ap met tête yo de yo. Léon Charles qui était chef police nan moment yo tap assassiné Jovenel Moïse la, qui lui-même après assassinat là te rendu nan Amérique là pour te al représenter pays d'Haïti nan OEA. Donc c'était représentant permanent pays d'Haïti nan organisation des États américains. Léon Charles qui pral wè li inculpé nan ordonnance Walter Wessel Voltaire là, li décidé nan commencement semaine nan li démissionné nan poste li. Qui ça qui derrière démission ça? Pour qui ça? Ancien diplomate là ou encore pour qui ça ancien DGA diplomate là li ta quitté poste. Selon ça Léon Charles dit li quitté poste là c'est pour le capable vin correspondre avec nèg kap sal image li yo. Li quitté poste ça c'est pour le capable défendre tête li nan dossier louche ça que li wèl tombé a. Alors que mesdames et messieurs, c'est youn nan moun selon ça il dit qui t'a goumé pour président République là. Qui ça Léon Charles dit? Dans déclaration li, Léon Charles accusé Pierre Espérance. Li fait connait nol qui nan rapport ça, nol qui nan ordonnance là, c'est Pierre Espérance qui fait metel. Et l'explique tout, Pierre Espérance c'est youn nan moun qui la cause ou encore qui t'a nan complot pour assassiner président Jovenel Moïse. Léon Charles kap pale. Mais comment ça fait? Selon Léon Charles, mandat que Noël Cyrus te mette derrière Jovenel Moïse, qui te gen pour ak arrestation président, donc c'était un montage. Et Pierre Espérance, c'est un nan moun qui te derrière montage ça, c'est li qui te al fait, mesdames et messieurs, juge la mette mandat pour yon ka jwenn route, pour yon passer, pour yon pran président, pi facile, mesdames et messieurs. Eh bien, qui te me dit ou? Léon Charles pa mette de l'eau en bouche li pour le faire connaître. Pierre Espérance, c'est moun qui descend dans carré Walter Wessel Voltaire, l'albal dicté, l'al dil mais qui moun pour le mettre dans rapport selon ça le dit. Eh bien, Léon Charles avance pour le dire, mesdames et messieurs, dans moment yo assassiné Jovenel Moïse, lui-même l'ité à peine saute faire une opération dans base vite l'homme. L'ité dans base la police là dans les 1h du matin, c'est le ça président relé li dit l'en danger et il pral décider relé comme l'ité bon côté Vladimir par raison qui était à l'époque un collaborateur, un commissaire. Eh bien il dit Vladimir que Jovenel en danger, alba Jovenel en coup de main. Sans gratter tête, selon Léon Charles, Vladimir met pied la tête pour l'albaï Jovenel Koutme, mesdames et messieurs. L'enrivé Vladimir, selon Léon Charles, toujours, pendant la privée dans route, lire le directeur, lire le chef IRGPN, non, qui c'est Dimitri Hera. Dimitri Hera pral di ak Vladimir Parizon pour retourner. Parce que c'est Dié qui a fait travail, il n'a pas besoin de parler. Le Dimitri Hera dit Vladimir ça, selon Léon Charles toujours. Léon Charles dit Vladimir par raison, relè li dit ça, elle font gros brisou par raison pour le dire, pas de bagay comme ça. Si c'est Dié qui a fait une opération, nous tapons, dégagez pour arriver. Vladimir dit Léon Charles, l'el pral rive, nèg yo rale zam sou li, malgré ça li di fòl rive quand même, li passe en barrage pour rive kay président, lèl rive l'jwenn Jovenel te gen tan assassiné.
Léon Charles avançait pour le dire, comme il était sous route, il était venu, il tout profité barré en haut, barré en bas pour le caprendre. Eh bien, dans la zone Kinam, dans Pétionville, pendant la barre, Zami internaute Dimitri Ra vient poter téléphone pour lui. Oh, mes mercenaires ont besoin de parler à elle. Donc, parole là en pile. En râler loin pour nous venir prier. Eh bien, mesdames et messieurs, Léon Charles dit, il courit derrière Dimitri Ra, dit son président qui a assassiné par un jouet là, nous pas qu'à l'arrêter d'en parler dans le téléphone. Donc, Léon Charles dit, l'elfine arrête quelques Colombiens. Sans perdre du temps, mouche crée les Pierre Espérance, non? Pour aller descendre dans des CPJ, pour aller tendre moun yo même moment, et le pral mande pour le fonti parler ak moun sa yo en AD. Pour le tawe ak moun sa yo dans les coulisses, mesdames et messieurs, Léon Charles pral dit, li rele en moué pour Pierre Espérance, c'est depuis là, Pierre Espérance gen problème avec elle. Dans tout rapport, li sorti, li mette non Léon Charles là-dedans. Et Léon Charles dit, il a bon donné que Pierre Espérance, c'est un homme qui fait partie des gens qui t'a comploté pour assassiner le président République là, mesdames et messieurs. Donc, détail là, information là, Léon Charles qui démissionnait pour le capable de venir propre image, venir sauver l'intégrité, mesdames et messieurs, selon ça, il dit. Nous gagnons vidéo, nous allons passer pour tout à l'heure. Mais entre-temps, ce n'est pas seulement Léon Charles qui a réagi. Gagné tout, responsable parti politique et DEA, engagé pour développement, qui lui-même tout, à l'époque, était premier ministre. Après, elle était fin ministre affaires étrangères. Les, mesdames et messieurs, Joseph joue tombé. C'est Claude Joseph qui a pris le bail, premier ministre AI. C'est lui qui a liquidé les affaires courantes. Eh bien, mesdames et messieurs, Claude Joseph qui sorti une note pour faire connaître Saloué là, il paraît les ordonnances. Saloué là, pas de rapport pour louer avec ordonnance, mesdames et messieurs. Il décide lui-même pour contester mascarade Saloué qui fait là, qui gagne politique et Walter et ses Voltaire prend dictée dans mes mounes. Pour le mettre le Léon et Léon Charles te dit c'est nommé Pierre Espérance qui dicte ça prend mesdames et messieurs en tout cas bagaille pas petit dossier assassinat Jovenel Moïse li pas camper mais entre temps qui te me dit ou gagné James Solage you nan suspect Cléo you nan moun non cité dans dossier qui libéré aux États-Unis depuis mois d'avril 2023. Même gens avec Intriago, qui lui-même, mesdames et messieurs, sont Américains qui ont libéré aux États-Unis, les amis internautes. Bagayo pas piti, mais nous-mêmes, nous toujours disons ça, nous là, pour nous chercher information. Restez là, nous allons présenter une information spéciale dans la fin de cette vidéo. Mais entre-temps, il faut que nous disions, mobilisation, pas campé. Ariel Henry, pour qu'on finisse bon. Moïse Jean-Charles annonce, demain dimanche, nan, la rue en pral mauvais. Yo pral fait tout ça qui dépend de yo. Pour yo à l'ambassade Canada, exige pour l'ambassade, pour le pays sa yo qui dit yo ses amis Haïti, font bagay pour Haïti, lage mais Ariel Henry, parce que selon Moïse Jean-Charles, c'est le Canada, la France, les États-Unis. En gros, c'est la communauté internationale là qui kembe Ariel Henry comme premier ministre dans le pays d'Haïti. Et après, elle était sortie dimanche passé devant l'ambassade américaine qui n'a tabar, Maurice Jean-Charles annoncé demain dimanche là, la foule béton pour prendre direction ambassade Canada qui sous Delma. Est-ce que la arrivée à destination? Parce que nous connaissons, dernier temps, ça, mesdames et messieurs, la police s'est montée 7 fois, 77 fois, 7 fois, question manifestation, li pa fait pas bon ici. Yo pas d'accord, manifestation faite. À plusieurs reprises, nous te voyons qui s'est passé, Maurice Jean-Charles. Comment le prend gaz? Dimanche, là encore, c'était Rololoy, depuis même côté cérémonie a fait là, la police était en bas gaz pour manifestation finie.
En tout cas, bagay yo pa piti, n'ap tan demain, mais n'ap invito rete là. Poursuivre sa pral di là, c'est gros causé, mesdames et messieurs. Comme nous connaissons, yon chef la police li genye pour mission protéger vie ak bien tout moun, en particulier vie et bien du président de la République. Monsieur Charles avec nous matin, nous bien content que l'accepter répondre à invitation métropole pour aider en quelque sorte la République bon idée de saleté fait lui-même pour le président Pat Mouri dans le moment de attaquer lui. Et comment ça t'est passé tout lui-même? Monsieur Charles, bonjour, merci au nom de la République du fait qu'on a accepté avec nos matins dans la métropole pour répondre à questions que un peu le monde après main lumière faite sur vous. Bonjour encore une fois et bienvenue. Bonjour Wendell. Et bonjour téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Ça le Point. Et moi merci au que pour bonne opportunité pour me capable de version des faits et qui était entouré assassinat président noir Jovenel Moïse et pour me capable rester dans l'ordonnance là dans point que le juge là et li basé pour le dire m'impliquer et li traiter de complice dans assassinat crapuleux ça. Tout d'abord, bon présenter Wall au directeur général. Il est connu de tous. Directeur général là, commandé la police là, avec tout ça le représenter. Mais le directeur général n'a pas accès direct, il ne commande pas directement les unités de sécurité du Palais National. Unité ça, c'est l'USGPN qui a assuré troisième périmètre de sécurité, ça veut dire externe. Deuxième nom, c'est Katim qui assurait deuxième nom. Et dans deux présidents, dans chaque président, quel que soit côté président, l'équipe proche, c'est USP, ça veut dire l'équipe en version. Donc, je fais précision ça. L'INA, loi portant et création de la police nationale de 1994, et même bon arrêté, l'arrêté du 1er février 2016 et promulgué par l'administration Martelly-Paul qui dit qui bail des particularités que des unités ont gagné parce que ils ont gagné ils relevaient de la police certes mais ils ont aussi une certaine autonomie en matière de gestion quoi et la police inspection générale responsable de discipline en tant quoi mais accès à un déplacement président. Quel que soit côté président, trois unités ça, dans le niveau troisième, deuxième, premier périmètre, c'est yo pour là. À la rigueur, sur demande, on va jouer au quatrième périmètre de sécurité qui est fait par la police dans la zone d'un côté policier, ou bien sur demande spéciale, on va jouer l'autre unité spécialisée qui vient renforcer le quatrième périmètre de sécurité. Donc là, où dit-on que monsieur n'est pas capable de passer au l'ordre. En matière de déplacement, président, non. Parce que le président a une certaine sensibilité, une certaine discrétion que le président a gagné dans la gestion du monde qui est autour de lui. Cependant, dans l'autre question qui est sur discipline, l'autre question qui est à faire pour transférer, même on n'est pas capable de transférer un policier USGPN comme ça, sans que on va gérer, à moins que son cas qui grave son crime, que nous allons remettre à la justice. Donc, moi pas gagner un commandement direct sous unité qui capacité de sécurité président. OK. C'est donc ça veut dire que le président gagne quelques petits détails que le pas connaît tout parce que il dit que le président Reléo dans moment senti en détresse. Oui ou non pas très lourd vraiment? Président Reléo moi même bon fonti jour 6 juillet par président me dit président va monter opération. Besoin backup. Parce que nous avons une fixation vite l'homme, nous avons fait plusieurs opérations de vite l'homme, gagné, nous raté, nous saisi matériel. Finalement, nous avons dit le 6 par focus sur vite l'homme. Mais il faut que le président, le président, besoin de pelle mécanique, besoin de matériel, si quelque chose, nous avons crasé l'espace que vite l'homme gagné
sous ton celle-là. Effectivement, l'opération commence depuis 10 heures du matin. Pas de cage matériel, président, même jour, fait me faire contact avec CNE pour me jouer une pelle mécanique. L'un vient faire opération pour nous craser l'espace-là. Parce que nous ne pas de blé, il y a toute l'altitude. Ça. À 3 heures de l'après-midi, nous jouons le matériel. Là, et le matériel a commencé, pelle mécanique, il a commencé le travail jusqu'à 11h30, nous finissons craser l'espace-là en partie. Et puis j'ai appelé le président à 11h30 PM. Monsieur le président, nous faisons opération capitale l'homme, nous ne pas jeûner, nous saisir de ton bagage, nous craser Kaya. Alors, président dit, OK, bon bagage, 11h30 PM. Alors, tout commandement est réuni dans la direction générale. Quand je parle du commandement, je parle de l'inspecteur général en chef de la police nationale, du directeur central de la police administrative, du directeur central de la police judiciaire et l'autre commandement, parce que l'on a fait opération d'envergure, tout le monde réuni. Et puis l'opération finie, tout le monde supposé rentrer dans la base pour nous faire un débriefing, nous ça passé, pour nous faire un bilan de l'opération. Nous étions dans la salle de conférence direction générale. Aux environs de 1h15, aux environs, parce que je n'ai pas de téléphone dans le même samedi devant le juge, 1h15, 1h30, le président m'appelle. Il dit, DG, moi je suis en pile et rafale dans la zone là quand même. Et moi, besoin de backup. Je dis, président, qui soit fait? Qui est sur relais? Le président dit, moi, relais, la guerre civile, qui était coordonnateur de l'unité et sécurité par les nationales, je vais jouer. Moi, relais Dimitri Erard, qui est responsable de l'URGPN, l'unité de sécurité par les nationales, je ne vais pas jouer. Je dis, président, m'a venu. Entre temps, imaginez, entre 1h30, 1h35, quelques heures de terrain, tout le monde. Moi, j'étais dans la base avec tout commandant, c'est vrai, mais pour mobiliser les policiers qui étaient campés dans la machine et pour régler l'autre troupe, mobiliser des DDO et soit team, libre mon titre pour me faire ça. Entre temps, par raison qui t'a dirigé, l'inspecteur général par raison, membre de mon cabinet qui t'a dirigé l'opération Torcel, rentrer dans la base. Alors, on était en distance devant le directeur général, lui-même était non côté, nous espace plus grand. Déplacer ma jeune par l'heure. Mais entre-temps, avant ma jeune par raison, moi, je le président une deuxième fois. Pas jeune président. Abdou, l'espace 5-10 minutes en deux, premier appel. Et puis, il me dit par raison, moi, je reçois un appel président, je ne j'aimerais les pas jeune, allez, puisque vous-même, par exemple, dit, président, je tout. Mais je suis rentré dans la base pour une machine blindée. Je me dis, par exemple, dégagez-vous, allez rapide. Parce que, par exemple, son homme de confiance est très opérationnel, très dynamique. Je me dis, par exemple, montez. Par exemple, virer la machine, il allait avec l'équipe. Une seule machine. Parce que, et puis, entre temps, moi-même, je mobilise l'équipe, moi, backup PAM, backup DCPJ, backup DCPA, l'autre backup qui était disponible pendant que j'ai pris les DDO, j'ai pris les SWAT pour me déplacer. Et je me suis déplacé avec mon cortège. Du haut commandement. Je fais route pour me faire. Et puis, entre-temps, pendant que je passe sur l'aéroport, Delma 31, et puis pendant que je suis dans une zone qui est devant, par exemple, je dis, DG, moi, je vais vous appeler. Dans une zone, il y a des gens qui braquent sur moi. Moi, j'ai des policiers URGPN. Le responsable de l'URGPN dit, commandant, vous n'avez pas besoin d'avancer parce que vous croyez que c'est Zié qui a opéré. Je dis, par exemple, sortez-moi là. Moi, je dis au président menacé de Grélem, Lire Lontou, qui a fait de Zié? Je dis, si Zié a fait une opération à l'OSA, moi, je connais. Je dis, dégagez-vous, montez, entre-temps, je vais progresser. L'homme arrivé, on se casse pis devant, là, ça m'a mis dans son frère, m'a monté. Par exemple, Grélem encore. Par exemple, dit, commandant, pour un jeune, je vais me déplacer. Je suis dans une zone basée par des mêmes ouais, bandits, même ouais, des mouns, cap descendre, moi, deux cap descendre, pour y aller à Pétionville. En tout temps, je suis arrivé à Pétionville. Donc, je m'a fait barrage. Comme, et puis, le parison arrivé, troisième appel parison, quatrième appel, je dirais. Parison, il est DG. Moi, je arrivé à président. Nous perdons le président. Président Moule. Je dis, par exemple, c'est vrai, moi, je vérifie. Je dis, quoi de première dame? Première dame, blessée.
dit pas bon. Je dis passez une première dame. Je dis première, nous regrettons ça qui fait là. Nous n'avons pas de disposition par raison pour mener un côté pour aller prendre soin. Parce que je dis bébé, c'est pas qu'on a pleuré. Je dis par raison, sans pas mener côté le bras à sa discrétion, par raison, organiser côté ça pour descendre avec, pour aller prendre le premier soin. Parce qu'il il est blessé grave. Entre temps, l'essentiel, puisque j'ai des informations, je réunis toutes les commandements, tout le commandement de ça. Soit j'ai arrivé avec un blindé, moi, je suis rentré et mobilisé toute la police qui était dans le commissariat de Pétionville, tout le renfort qui était venu. Mais il faut dire, entre temps, pendant ce route-là, après le deuxième appel, le président, je suis allé la gueule. Je ne pas joindre la gueule. Alors, le coordonnateur. Je suis allé Dimitri. Je ne suis pas joindre Dimitri. Et puis, je me dis, monsieur, c'est pendant ce espace-là, je dis, monsieur, n'a pas barré. Alors, maintenant, tu nous barré pour Bokinam, non? Et puis, l'autre côté était de l'eau. Tout côté négocié qu'à descendre parce que l'essentiel qu'on a c'est Kembe Negio. Entre temps, pendant Chita, pendant que nous campions sur place Saint-Pierre là, nous avons fait barrage là, monsieur, yo, le, comme tout est aspect question, hein, bien important, moi, le chef des opérations de l'UIGPN, pour ton téléphone, pour moi, il dit DG, monsieur, vous voulez parler avec vous parce que bien, il y a deux policiers nommés. Je dis qui monsieur? Je dis monsieur, ça qui est important pour nous, c'est fait barrage là. Bon, si on ne pas quitter la zone, je ne pas avec l'autre monde. Quelques minutes après, Dimitri Erard, le commissaire municipal, Dimitri Erard, pour ton téléphone, un petit téléphone petit, me songez, un petit téléphone, et de me peser, je dis là, je ne relève là. Il dit, DG, besoin, il y a deux policiers qui nommés Negio, monsieur, besoin de parler. Je dis, commandant, faire sport. M'a géré en situation, m'a pas parlé à bandit tout autant que m'a pas qu'on passer là. Monsieur va passer là. Monsieur insisté, m'a pas occupé. Entre temps, puisque tu as une information que le commissaire de l'UIGPN, Dimitri Erard, dit pas raison que c'est dit pas avancé, on commence à gagner doute. Et puis le Dimitri, et puis il fait retrait en deux places, Saint-Pierre là. Et puis il me dit, monsieur, renforcez barrage. Entre-temps, monsieur Assayon, rivé puis au Kinam. Il y a un camion pompier qui a monté, mais par contre, c'est mairie. Et puis, les gars ont monté Kinam, ils ont eu espace là, ils ont eu barrage là. Et puis, bon, sous le microphone, il y a un qui dit, dis-le, fais back. Et puis, il me dit, monsieur, pas qu'il n'est pas déplacé. Nous campé. Et puis, ils ont remonté. Et c'est là, entre-temps, que nous recevons appel au Premier ministre pour un CSPN. En urgence, nous remettre les CP à charge et puis descendre dans le CSPN. Donc, pour me conclure à ce fait, ça, en tant que directeur général, le fait que le président a assassiné sous moi son dossier m'a toujours des questions pour me répondre la donne parce que les fait sous commandement. Je n'ai pas de responsabilité. Mais de là à dire que je suis pourrianiste, que je suis nonchalant, pas de fin, là, je m'estime que c'est mensonge lié. Parce que par raison, même si par raison tu as dit, et pas qu'à dire, que je n'ai pas de bonne instruction, par raison est membre de mon cabinet particulier. Par raison a été en mission, et c'est pas le téléphone, non, je n'ai pas l'instruction. On s'est rencontré sur la cour de la direction générale. Donc, c'est un membre de cabinet qui a une instruction qui pourra le secourir le président pendant que je m'a mobilisé à 1h du matin, entre 1h et 2h, pour mobiliser tout le monde. Il m'a dit, ça pour tout le monde. Il fait tout ce qu'il est capable. OK. On fait un camp là. DG, on fait un camp là, ambassadeur. Et lorsque Dimitri Erard dit que c'est Dié qui a opéré, d'ailleurs, il y a des enregistrements qui étaient publics, côté que Gomoun Kap dit son opération Dié. Est-ce que, dans toutes sortes d'affaires, est-ce que l'ambassade américaine pour demander est-ce qu'il est au courant que Dié est la CAI président?
Non, d'ailleurs, ce n'est pas moi-même, pour me rectifier ça, ce n'est pas moi-même, Dimitri Erard, qui dit que c'est dit. Premier contact là, ça avait pas raison. Ok, les parisons mettent au courant, est-ce qu'on parle de l'ambassade là pour demander est-ce que Dié est sur place, est-ce que Dié a une opération qu'elle a menée? Non, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, et même si c'est à Dié, là, ça a mon face parce que c'est on attaque le président, on parle les personnes. On décision comme tu prends. Automatiquement, je finis recevoir appel président. Mais tout commandement m'avait, je me dis, je ne vais pas répondre au téléphone, personne. Et c'est ce que j'ai fait. Commandement m'avait, moi, parler seul avec le premier ministre pour me faire coordination avec elle. Laisse ça, qui l'a le TIE comme ça, leur parle à le premier ministre? Bon, on parle à le premier ministre, l'homme qui était direction générale là, de direction générale avec lui, Michel, bon, 20 minutes. Mais lui, avant 2h, 1h45, même pas gagné, mais c'est avant que je me rive et Pétionville, et sous place Saint-Pierre. Ok, DG, vous dites donc qu'à un moment donné, vous sortez sur l'aéroport, passez par Delma 31, mais pendant que vous expliquez maintenant là, vous dites que vous êtes sur route de frères. Nous, avec un petit peu. Comme si on ne comprenait pas le trajet. Et est-ce que c'est moi-même qui ne comprends pas, ou bien est-ce que c'est moi qui vais faire une explication pour Banoua? Non, je ne vais pas faire quelle erreur. Écoutez, président Elim. Vous dites Delma 31. Vous dites Delma 31, après ça, vous dites votre frère. Oui, bifurqué, bifurqué, parce que ça passe. Je suis directeur général, président Elim, il est sous menace, il est tiré à moi, il n'est pas jeune. Donc, il faut me bifurquer. Ça veut dire, je ne vais pas faire une route habituelle. Ok, faut prendre route pour m'y m'assurer que comme gain advance et puis m'a bifurqué parce que route normale là c'était après monter prendre route aéroport monter Delma arriver Pétionville mais pas connait ça qui a passé cap gagné car on attaque le président de l'autre côté que nèg cap bloqué donc pas besoin à faire confrontation pendant ma monter avec le président donc moi, je n'ai pas raison déjà. Qui là? Pas oublié. Bon, je vais faire une rectification. Il vient démontrer que pas de résistance. Président, les unités de sécurité du Palais national, c'est aux responsables assurer la sécurité du président pendant quel que soit côté lié. La capitale, dans le palais, dans le déplacement, et dans la province. Donc, président gagné, unité sécurité, il y aurait réuni à peu près 1 700 000 monde de Gadi pendant que là. Par contre, comment est-ce à quel que soit l'heure du jour ou de la nuit, pour le président gagné, au minimum 40 à 50 étapes sécurisées. Périmètre de sécurité, si on a parlé de pèlerin, okay? Devant le président, dans la rue, troisième nom, deuxième nom, devant barrière, ou bien dans barrière, premier en dans Kaila. Ou bien devant Kala dans le salon. Donc ça veut dire, quel que soit le tir qui vient dans la zone, dans la tête, moi, en tant que directeur général, moi, j'ai un minimum, l'homme dit, ou bien 4 teams qui sont unités spécialisées, contre embouche, contre embuscade, spécialisées, il y a une unité qui est plus entraînée dans la police. Ou bien USGPN qui sont l'autre unité spécialisée. Ok, monsieur Charles, dis-nous. Lorsque yo apprend nous que c'est à DIA qui a mené une opération, DIA, ok, bon, nous connaissons que Haïti a des accords qui signent avec les États-Unis qui peut-être autorisé que yo mène des opérations, mais lorsque yo dit que c'est DIA, la CAI, un président de la République, un, nous avons connu qui ça t'a dit où? Est-ce que deux, où t'es trouvé les normal? Toi, est-ce que dans ta tête, tu as pensé que c'est le président qui t'a fait l'objet d'opération ça, ou bien est-ce que c'est l'autre monde que dit tu as cherché la caille président? Dis-nous. Non, on ne va pas faire considération ça du tout. Parce que le président Elim dit que c'est l'autre entité qui a travaillé. Si dit à monter opération comme ça, dit dans la question de l'illégalité. Moi-même, pas même besoin de connaître si c'est dit ou pas. Okay, parce que si la fait me connaît, si la fait me dit par exemple, qui a fait dire ou a dit là? Si c'est une opération régulière dans la zone, même pas dit qu'il y a un président, quelle que soit l'opération régulière qui a fait,
m'a pas au courant. À moins que son bail pas connaît, m'a pas au courant. Donc le commandant responsable de la sécurité du président dit c'est dit moi pas prendre en compte déjà ouais une complicité commandant comment faut faire comme ça c'est où pour prendre balle au président comment faire dit c'est dit donc moi pas le président pas l'ambassade mais est-ce que le patap mieux est-ce que le patap mieux DG que dans moment où dit que quelle que soit opération cap mené dans environnement immédiat résidence président que le campé ça va de continuer pas de guerre opération ou pas de dire ça. Non, par raison, ça avait par raison à parler. Moi, je dis par raison, moi pas d'accord avec la question, je dis, dégagez ou montez en l'air. Ok. Dégagez ou montez en l'air, président. Ok. Mais juge Langel a dit que par raison, dit pas de guébaye comme ça, non, dans l'ordonnance, juge Langel fait état de. Par raison, tu as dit que le pas recevoir instruction de ce genre, non, mais M. Charles. Moi-même, c'est le problème, ça m'y a avec l'enquête là. Moi-même, c'était une enquête vraiment. Parce que moi, à devant le juge là, quatre fois, juge qui a mené l'enquête là. Moi, j'étais en première fois, en deuxième fois, deux autres fois, moi, fait confrontation avec Dimitri Herrera la gueule. Moi, je vais vers son pam. Si dans le moment ça, le juge là, estimé le statut de témoin, s'il a changé les informations additionnelles, le juge l'a gagné pour devoir. Je vais dire ça pour le faire. Pour le faire pour votation. Parce que moi, j'ai une déclaration à deux reprises. Ok, devant le juge là, dégager quatre reprises plus première comparution de fait, invitation de fait devant le juge Gary Olien. Je n'ai pas jamais couru pour être là. Donc, au moins qui volontairement, même je me présenté, parce que moi dis. Léon Charles Mbaka courir pour enquête sur le président Jovenel Moïse. Il fait sous moi, moi j'ai une responsabilité, mais enquête va le définir dans quel niveau de responsabilité que j'ai. Mais le juge là dit, par raison, et moi, par raison, pas dit ça. Son interprétation liée, et même si tu par raison, tu as dit ça, par raison est un inspecteur général affecté à mon cabinet, et c'est une équipe dynamique que, qui est dans toute opération. Il n'a pas dit ça. Et si. Par exemple, t'as dit, bah, pardon, c'est pas mon voyelle. Par exemple, t'es sorti torselle. Par exemple, t'as sorti deux torselles du monté, pas t'as tourné, pas t'as barre, ou bien éclaircine. Donc, faut que juge là établi, fait ça, gardez rapport téléphonique, gardez, faire confrontation. Moi, pas faire confrontation. Alors, bien entendu, jusqu'au dernier, et présentation que je fais devant le juge là, et tout va être correct. Je retourne en tant que témoin et je me retiens à la disposition. Vin bon changement dans le traitement VIP. Parce que je n'ai pas jamais demandé autorisation pour me tourner parce que je connais cette obligation pour moi aller devant le juge là pour m'aider en tête à avancer. Alors, moi j'ai une liste d'une cinquantaine de questions pour me poser. Mais avant ça, et puisque non cité à plusieurs reprises, j'ai Vladimir par exemple avec moi là, directeur général, qui t'a remis pour dire quelques précisions par rapport à ça que dit dans l'émission là. Excusez-moi, Wendel, son enquête, je ne vais pas faire enquête là pour le juge là. Je ne vais pas faire enquête là pour le juge là, il y a enquête là, il vient d'un niveau A, il y a une déclaration, il y a une déclaration. Donc, si on fait l'autre invitation pour parler, je ne vais pas faire là. Parce que là, vous ne pouvez pas être à contact là. Je ne vais pas être à contact là, par raison, et être un inspecteur général. Ok. Sauf que c'est une précision, c'est une précision que tu voulais porter tout simplement par rapport à. Il a fait après, parce qu'on a été sous concentration, parce qu'on y a là, ça c'est. Il n'est pas tellement correct. Mais, s'il vous plaît. Parce que des déformations qui sont là, qui sont là, directeur général la police là, pas grand monde qui t'a fait mission personnelle,
que sous l'ordre du directeur général. Ok, bon. Okay? Mais on d'accord que le Pavlé, il dit non. Non, c'est tout droit, c'est pas préservé. Mais moi, je m'a dit, parce que j'en ai reparti bagala, c'est comme si il y a deux directeurs générales, moi-même, moi, ton directeur général ou pas. Non. J'ai été instruit par mon chef, d'alors, pour me donner en mission, et toute réaction gagne, c'est directeur général là qui me gagne. Bon, eh bien, merci. À la fin de la journée, même pour monter comme président, c'est directeur général là qui me gagne, moins bon l'autre, même si vous fatigué, à un jour pour y voir. Bon, ok, on faut se camper là. Parce qu'on connaît que moi j'ai un respect pour lui tout, et c'est moi qui invite lui. L'idée, il passe. On va informer ça. Eh bon, et bien d'accord. Mais sauf que Mba ou Diba qui t'a capable de déranger l'émission, sinon qu'on précise en compte à Bay, dis-moi, est-ce que d'accord que je continue à parler avec vous? DG Charles, ça dérange vous que tu précises ça? Parce que Mba ou que le dit rien, que t'es capable de déstabiliser ou de déranger, non, ça va dire. Oui, Wendel, on va d'accord. On fait mon et puis là ils ont qu'à faire dans l'autre moment et oh, OK et d'accord pas de problème et commandant par raison et c'est correct. OK d'accord pas de souci et m'a capable vous faire une possibilité pour parler bientôt puisque c'est pas un bail personnel qui a réglé c'est l'affaire d'un président qui a été assassiné. On connaît bien, et bien d'accord, parfait. Merci Vladimir Parizon. OK. Oui. Et monsieur Charles n'a pas avancé. Te pose une question tout à l'heure sur l'ambassade. Vous n'avez pas appelé l'ambassade américaine, c'est pas de préoccupation en un moment pour qu'on ait est-ce que c'est DIE qui a opéré ou bien est-ce que c'est pas DIE qui a opéré, est-ce que c'est des mondes qui prend qui utilise non bon, bien que il y a des youn monde que condamné le fameux Vincent, il y a des informations qui fait quoi que c'est un informateur DIE qu'il est, est-ce qu'au courant de donner ça? Bon fait la première phase là à chaud le Parizon a monté. Moi, m'a privé devant commissaire Petionville, place Saint-Pierre. Et information dit hier, moi je tel, ça va m'intéresser, mais c'est arrivé qu'un président. Mais par la suite, parce que l'un qui nous contrôlait, parce que inquiétude pas, en tant que directeur général, président Mouré, n'a pris disposition, puisque à Saint-Yan, on était dans la zone, n'a pris disposition pour nous, pour ne pas être sauvé, et puis pour nous prendre en vie. Parce que premièrement, on a tellement une suspicion que comment font chef de sécurité un président, les deux c'est l'autre monde, et puis on parle. Excusez-moi. Monsieur, ce n'est pas la raison qui arrive avant. Moi-même, en tant que directeur général, si le président il aime, on va traverser la barrière, bah, lorsque monsieur chef de bio, il ne pas quitter le passé sans plutôt nous faire refuser. Il n'y a pas accès. Donc comment on fait, président, on l'autre point que je fais. Moi, elle la gueule, finalement, pas jeune, mais pendant ma pontée, la gueule, elle me dit, comment ça passe? Qu'est-ce que, commandant, nous avons un problème, ils ont attaqué le président, nous avons résisté. Et puis, je me ouf, parce que si j'ai résistance, je vais être arrivé. Mais enquête, montrer, le coordinateur n'était même pas sur place. Monsieur Charles, parlez-moi de système de renseignement, la police là. Comment ça t'est? Nous pas un système de renseignement qui était fonctionnel. Deuxièmement, est-ce que pas aucune fuite, aucune rumeur qui t'est arrivée dans les oreilles? Parce que il y a des informations qui a circulé qui fait quoi que il y a des éléments. En fait, mettons de côté monde qui était impliqué directement dans l'assassinat président, mais tu as des fuites, tu as des rumeurs que le président n'a pas l'assassiné. Nouvelle, ça n'a pas arrivé dans les oreilles ou même? Bon, pour répondre à une question, ça, je vais faire un package. Là. Et je dis ça pour l'histoire et la vérité. L'assassinat du président, il a commencé dans l'enquête sur le massacre qui fait la Saline. Deux ans. Parce que mandat qui était émis, un mandat illégal qui était émis par
et un juge qui parle même sur dossier, qui mandé pour arrêter le président. Mandat ça, non juge là dans l'enquête là. Et moi-même, en tant que directeur général, l'homme rentre, le président relève. Il dit, Léonville, bon, on va contre 609, parce que 609, en pile des autres. Contre gang, et puis mes sécurités dans le pays. On commence à faire travailler 609 là, et puis on a mis à attaquer gang. En novembre, moi arrivé en novembre 2020, le 16-19 mai salé. J'ai reçu un appel, parce qu'on m'a expliqué ça pour Cap Diou, qui est information. Un appel de maître Mario Beauvoir, que j'ai rencontré aux États-Unis, ou de parler avec pour le dossier. Il dit, j'ai besoin de parler avec moi. Je ne vais pas occuper maître là. Finalement, je me dis, qu'est-ce qui ça? Il y a intérêt les mots. Mario Beauvoir, il m'a invité un petit bois. En tant que directeur général, je parle pour que tout le côté joint. Mal si bois, moi ça gagne. Et puis, mon installation, il dit, ah, mon cher, Américain, mais où? Moi, nous parlons pour le premier ministre. Oh, premier ministre. Comment vous faites le président? Je fais ça, parce que le premier ministre, le président invité, le président mette là, je vais le président, faire ça. Mal si bois, moi, ouais, mon yo. Et puis, le premier ministre, je vais le président, mal coup le président. Qui m'a noué, DG? Qui m'a noué? Ou dit, ouais, mon yo? Moi, ouais, alors, je vais prendre mon yo. Moi, ouais, et comment il s'appelle? Mario Beauvoir. Je ne vais pas rencontrer, je vais vous voir dans un local Tiboyo. Parce que, comme dit là, parce que, écoutez, local Tiboyo, moi, je vais un ancien sénateur, sénateur Latibonite, sénateur Bergom, derrière la caméra. Mais la police, ouais, la vérité, je dois dire ce que j'ai vu. Et puis, moi, je suis sorti, mal contre le président, puisque je parlé de Whitman, mal contre le président, je dis président, mais ça me connaît. Je ne vais pas parler de sa présidente, parce que le président, malheureusement, assassiné. Moi, je dis ça dans le commandement parce que vous avez contacté l'autre pour le commandement. Je dis, monsieur, comment ça passe? Fais attention. Donc, bon, bon, bah, il a dit là, 7 février, arrestation. Vous dites qu'on a fait ça. Inspecteur général Gauthier, qui est rentré dans le commandement, c'est parce que le patron commandement, il est l'inspection générale. Parce que je débat un préavis dans le commandement. Donc, information était là, 7 février. Parce qu'à la fête, le président Rélem, nous faisons ça pour nous faire, mais Mounio vient nous lâcher. Pas de attention sous lui. Kounien, t'es un rumeur, c'est vrai, mais dernière information, pas de gagner, il n'a pas gagné. Mon système d'intelligence n'est pas parfait, il n'est pas étanche, il n'est pas capable. Mais, il est arrivé infiltré, sécurité rapproché président. Lorsque maître là te propose pour que la vienne premier ministre quoi vienne ministre ou bien premier ministre, est-ce que on va arrêter le moment parce que quand même c'était tout dit tout du que pas bien soit un assassinat ou bien un coup d'état? Non, mais même qui ça me fait m'informer président et président dit au courant. OK, moi informer instance internationale, l'ambassade américaine, l'ambassadrice, et si son, comme dit, dans des mots pour parole, qui a parlé de bagarre, il dit non, donc on va être. Donc ça veut dire, nous ne pas mettre focus sur ça. Non, en fait, c'est comme ça. Don't worry about it. Ça veut dire que tout le bagarre est sous contrôle. It's not, you know, bon sujet. Don't worry about it. Il n'y a pas quoi là dans lui-même. Ok. Mais ça, oui, mais. Pour prendre l'information. Mm-hmm. Pour prendre l'information. Hein, et puis. Il dit, je ne suis pas occupé, pas inquiété. Uh-huh. Et puis, je continue le business de la police parce que je n'ai pas de bataille. Bon, écoutez, je ne vais pas répéter ça. Mais c'est pour répondre à la question. Hein. Oh, ok. Là, on fait. Là, on parle de Whitman, on fait allusion à Daniel Whitman. Oui, mais qui était dans le dossier, il est connu, Daniel Whitman, qui t'a dit. Et parce que. Et, qui t'a dit. T'es mon complot, il faut le dire, t'es mon complot. Mais, il vient d'aboutir, 7 février, nous-mêmes. Moi-même, moi, opération a été faite en dedans et Tibois pour nous capables pour arrêter Mounio, qui était arrêté, le passé, j'en passé. Hein? C'est mm-hmm. La justice qui traitait, j'en traitais là. Mais, pour continuer, même, mandat ça, il vient nous reparaître l'assassinat président. Donc, ça veut dire complot. Hein? Je mm-hmm. parle de La Saline, Mario Beauvoir, avocat. Et un DDH, Pierre Espérance. Pierre Espérance m'a fait un point sur l'île à l'heure. Et
mandat illégal parce que le juge là pas sous dossier. Donc ou associer assassinat président à deux bagailles. Massacre à la Saline il y a 2 ans et l'opération avortée du 7 février 2021. Continuité. C'est continuité. Ok. On va prendre un petit pause, DG, le temps pour respirer, pour bon petit de l'eau, puis Naptonin. Il y a deux points. Point Badjo, après Pierre Espérance, là, pour bon petit temps pour vous. Ok. Ou dit Badjo, ou dit Pierre Espérance. Ok, d'accord. Naptonin après pause. C'est l'ordonnance, ça. Ordonnance, en effet. Merci encore une fois pour disponibilité. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole, l'ancien représentant d'Haïti à l'OEA. Et Léon Charles, dont le nom figure dans l'ordonnance du juge Walter Wessé-Voltaire, qui enquêtait sur l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. C'est notre invité, Léon Charles, c'est notre invité de ce matin. À tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, Arcordia Shipping, les pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lisa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin, une émission suivie par des amis de la diaspora, par enfin, le pays tout entier apparemment, et des salutations aux internautes de Réseau La Tibonite, aux amis de Radio Télé Jacques Mélinter, Radio Tête à Tête dans l'Artibonite qui relaie cette émission que vous pouvez suivre sur YouTube également et sur Facebook. Oui, alors, on compte encore toujours disponible, Monsieur Charles, pour suite émission. Ou dis-nous que gagner des apparemment, si bien comprendre, intérêt qui poussait ou évoquer non Pierre Espérance et Joseph Badjo, c'est que Mounsao a fait des révélations qui apparemment dérangent. Qui s'est menti, qui parle la vérité, et juge la cité. M'a fini, premièrement, m'a excusé et téléspectatrice, mon capteur gardé ça, de que si m'a fait monter parce que son va qui m'a vécu chaque jour. Donc, je relax, mon petit de l'eau. Donc, excusez-moi si je t'ai monté le temps. Oui, Pierre Espérance Badjo. Je fais précision ça parce que je n'ai pas de cas à parler, parce que je suis diplomate, j'ai des obligations de réserve. Quand je n'ai pas de parler, je vais parler pour me dénoncer, je vais parler pour me dire vérité, parce que je vais mettre le dossier à sous dos, alors que tout le monde connaît, basé tout le monde. Juge la connaît. Côté, l'homme président sorti. Parce qu'il y a tellement d'informations que l'État a supposé. Parce que, ça veut dire, pas d'enquête. Pas d'enquête. Parce qu'on est qui s'allie. Un crime qui fait, un président assassiné, monsieur ne peut pas traiter le conseil à la légèreté. Ou dis-moi, m'impliquer. Parce que, Badjo dit, Pierre Espérance dit, Pierre Espérance, son menteur professionnel, tout le monde connaît en Haïti. Comment on fait prendre parole Pierre Espérance? Pierre Espérance impliqué dans l'assassinat président, jusqu'au coup, c'est l'initiel, avec mandat. Bon, faut descendre. Avec mandat, juge le juste. Et les faits sont là. Kounien Badjo. Quels sont ces faits? Non, pour Pierre Espérance, quels sont ces faits? Les faits, Pierre Espérance, fait juge Noël Sius. Et mettons président comme président de la République en fonction. Il passe la société à partir rien. Oui, mais est-ce que le gain de droit ça? C'est, tout le monde connaît que Pierre Espérance, c'est un défenseur de monde, l'a dirigé une organisation, sous qui base du café, il met un mandat pour arrêter. Et cela, Mario Beauvoir, c'est l'avocat du NDDH. Même mandat ça a été présenté dans l'ambassade américaine à un moment, Mario Beauvoir a présenté, ok? Il a utilisé pour assassiner le caractère président, ok? Et tout ça que tu as fait comme président. Mais bon, retourner sur la question pour dire, avant de tourner sur Espérance, je vais quitter le dernier, Badjo. Badjo, oui, je connais Badjo. Après, en 2010-2011, au ministère de la Justice, je suis toujours apporté des années, dans le cabinet ministre de la Justice. Paul Denis. Je travaille avec Badjo pendant un petit temps. Mais Badjo, c'est
C'est pas Joe, moi, c'est Léon Charles. Je suis retourné aux États-Unis, je suis retourné en Haïti à plusieurs reprises. Depuis 2012, je n'ai pas jamais contact avec Badjo. Il me dit devant le juge. Et la nuit, durant la première passation du président, relevé téléphonique dit que Badjo il me dit cette fois. Je ne pas répondre. OK? Donc, si vous avez fait ça, vous ne pouvez pas là, monsieur. Et puis, vous avez cité que le dit là, le code. Donc, une question de crédibilité. Au moins, si vous avez dit ça, vous avez pris les moyens. Bon, accès pour me défendre tel point. Ou bien mettez preuve que dans 10 dernières années. Un moment. Qui est-ce qui dit que Badiorello 10 à 12 fois? Dans l'enquête là, bon rapport que vous faites, monsieur FBI, il y a ou le téléphonique digicel, il y a 17 appels qui fait. Il y a un appel que je fais à président. Il y a tout appel, il y a là. Et la technologie. Non, mais non, en quelque sorte, appelle Badjo. Badjo, tu es vraiment ou pas très lourd? Je ne connais pas. Bon, Badjo. Badjo, si on dit Badjo, je ne sais pas. Je ne sais pas. L'autre monde qui est là, je suis enseigné au téléphone que je suis là, je suis étranger. 48, 88, 98, 98. Que je ne pas utiliser. Peut-être qu'il y a un sur le téléphone, mais pour qui ça y a un Donc, révélation, ça, c'est qu'est-ce qui fait lui? C'est Père Espérance qui fait lui? Qui dit Badiorello plusieurs fois? Oui, Père Espérance fait. Bonjour, Père Espérance. Bon, qui t'aime finir sur Badjo, et s'il te plaît? Ok, d'accord, on allait. Badjo, je ne sais pas Badjo, ni dans la semaine, dans le jour assassinat président, ni dans la semaine, ni dans le mois, ni dans les 12 dernières années passées avant. Comment on est capable de connecter Badjo? OK? Donc, c'est le juge a mis dans la décision, dans le point qui fait le dit Léon Charles est complice. Mais c'est de la méchanceté. Les gars veulent écraser l'enquête président. Moi, je remets des missions pour me cabaler. Au fur et à mesure, je parle avec moins d'émotion ou avec Suzanne. Mais le dit, monsieur, qu'un président assassiné dans plein de dernières siècles, et puis qu'on y a pour mon abdi, et on fait des supputations, abdi, que, a évoqué, et des questions au discours et président estimé pour dire les bergers ont livré. Mais écoutez, pas d'enquête. Pas d'enquête, moi-même, ça m'a fait là. M'a fait bataille ça pour me laver non. Parce que je n'ai pas rien pour moi, président. Sauf que moi, je suis directeur général. Pour PSPS. Le personnage PSPS, défenseur des droits de l'homme, de tout temps, mais c'est le. C'est moi qui viole plus de monde dans le pays. L'imposer en tant que juge, Pierre Espérance a un réseau de tous côtés. Premier bataille, je vais faire Pierre Espérance, parce que je vais vous le dire tout le temps. Pierre Espérance a un réseau dans la police, dans tous côtés, dans le commissariat. Si vous avez un incident passé, je vais vous connaître Pierre Espérance parce que la paix est policière dedans. Je vais faire bataille avec elle. Le jour, l'homme qui a arrêté Colombien, avec l'aide de la population, bien entendu, je ne vais pas prendre crédit ça. Je commence à faire opération hein, parce que l'objectif, c'était pas quitter l'assassinat du président et Assayan, pour me gagner les morts, pour me faire enquête là. Le 7 juillet, je transfère les gars de CPJ, transfère les gars de commissaire à Pétionville à de CPJ. Premier monde, Yurel me dit, mais espérez, vous ne voulez pas la moune, il me dit, pas qu'il m'aille comme ça. Dans la frontière, la police a fait enquête, mon nous a venu, nous avons la situation où on a violé le droit, pour qu'on prédise à mourir, on a posé question, nous pourquoi pas accès. Pierre Espérance n'a jamais pas donné pour ça. Pierre Espérance participé dans plusieurs rencontres. Emmanuel Sanon est organisé. Pierre Espérance est l'aime. Jour assassinat président, pas de ma bonté. OK? Pierre Espérance Kounia, l'on connecte tout ça. Oui, mais c'était pour dire qui ça, le réel, là. Pas répondre. Non, donc vous ne connaissez pas qui ça, le réel. Pas besoin de parler avec vous, ça l'a pris. Non, mais est-ce que. Bon, c'est. Non, mais DG, est-ce que ce n'est pas au manquement de côté autour, le fait qu'on ne répondre? Peut-être qu'il était capable de dire, sous pas au courant, tu n'as pas alerté au bout du que, attention, la vie du président Jovenel Moïse est en danger, et que pour presser le pas pour qu'arriver, est-ce que ce n'est pas ça tout que le tabal dit?
Non, pas l'expérience de tête, mais je suspends pas parce que le président n'a pas la même. Il est en danger. Oui, mais président. Monsieur Charles, comment tu fais qu'on est déjà que le son suspect, puisque c'est, l'assassinat était en cours, dans, en quelque sorte? Je ne vais pas faire enquête là pour le juge. Le juge a fait enquête, il a décidé, moi, PSPRS, laver, Léo Charles est inculpé. Je défends ça. Mais je dis, pour l'histoire la vérité, Pierre Espérance participer dans toute planification de production rapport que le fait sur la saline, mandat illégal que le juge Noël Sirius fait là. Mais monsieur, il faut ne pas l'aider. Il faut le dire ça. Pour qui sa société n'a pas fait dire On fait un peu sur le rapport là. Pour qui ça n'a pas évoqué dans l'ordonnance là. Ah, c'est juste à connaître. C'est juste à connaître. Est-ce qu'on te dit juge là ça? Moi, dans deux premiers, ça pas soulevé, mais il y a des commentaires qui fait en dehors de l'enquête. Ok? Mais, pas besoin de dire. Parce que Pierre Espérance, pour qui ça Pierre Espérance depuis l'homme quitté? Pierre Espérance, Léon Charles par la Badjo, Léon Charles par Cob, Léon Charles fait ceci. Pour qui ça obsession ça? Soit violé. Ou sont défenseurs de droit monde. Même si m'ta inculpé, même si m'ta criminel, m'gen droit tout. Ou m'gen droit, non seulement le faire devant juge là, li fait, li gen tout un réseau qui a parlé de Léon Charles, qui a menti sur Léon Charles. Donc, PSPRS de réputation, qui a menti sur le monde, nous songe, Michel Sonsano, qui fait 10 ans en prison, sur menti, et en DDH. Donc, ça veut dire, il y a des personnages qui n'ont pas eu. OK, yo imposé yo comme yo dans tout dossier, yo gen droit pour détruire moun et puis personne pas dit parce que yo gen circuit tout côté. Tout côté. Moi même m'a dit ça me connaît même Jean, m'a pas menti sous lui. Et gen moun capitaine de me connait qu'est-ce qui se passe espérance. Donc juge là. Est-ce que l'a dit nous monsieur Charles, est-ce que l'a dit nous que juge là, t'es quitté l'influencé par d'autres personnes dans l'élaboration ordonnance. Là. Est-ce que c'est ça ou envie de dire, non? M'pas gagné pour moi à questionner le travail juge là. M'a parlé de situation PAM. Juge la cité des mondes que, qui, selon lui-même, qui confirmait que m'était un assassinat président, m'a dit non. Qui motivation juge là? Le temps Brazil. Mais moi-même, ma version pas mal. Si on l'autre enquête qu'a fait, faut qu'on l'autre enquête fait, parce que trois présidents de justice, et m'a dit là, m'a fait du cocalan, mais m'a dit en tant que zami président, en tant que monde, moi j'ai responsabilité que m'était là, chef de police, je ne peux pas reprocher, je ne peux pas dire que c'est moi qui fais. Donc, vous êtes d'accord que jugé ou même sanctionné pour responsabilité ou en tant que chef de la police, mais ou pas complice, ni ou pas de connivence avec les assassins, les auteurs intellectuels, les auteurs intellectuels de l'assassinat. Ma résumé pour vous, je suis témoin. Ou pas sème de témoin, accomplice, auteur, juge et commissaire gouvernement essaie de faire lui, mais les gouvernements comme auteur, ok? Mais, ou pas d'évidence, ou pas besoin d'évidence pour impliquer, soit pour enquête sérieuse, soit comparer compte en banque, côté monde qui finance l'assassinat président. Alors, moi-même, Léon Charles, je suis chef de police, je prends un est-ce que vous vérifiez compte en banque? Je n'ai pas besoin d'un pile parce que je ne suis pas en pile. Côté, est-ce que vous vérifiez appel télé? Pas de vérification. Une enquête est basée sur la présentation des faits. Où sont les faits? C'est ce que le président estimé qui te dit, ou bien nous traite, c'est pour. Non, c'est discours. Qui rapporte, bon, c'est vrai que c'est chef la police ou en général, ou t'y en général, entre ou même et DCPJ. Il y a des gens qui font quoi que ou t'y exercé des pressions sur DCPJ, ou t'y exigé des rapports au quotidien, pour qu'on ait dans quel sens enquête là pour aller? Bon, son enquête là. Oui. Sur rapport de CPJ, rapport de CPJ d'abord. Oui, bon, c'est l'enquête. Alors, enquête de CPJ, pardon. Et rapport de CPJ. Écoutez, le président mourut, il a assassiné le président, pardon.
Et nous avons pour obligation, moi-même connais, en tant que responsable, pour me faire tout ce que je suis capable pour me faire et à ça, pour mener une enquête le plus vite que possible et pour nous capables d'élément éléments, arrêter les gens qui sont capables parce qu'on ne peut pas prêter. Mais moi, je fais 3 mois ou 2 mois et demi. Dans 30 jours, 34 jours, nous faisons une enquête solide, 800 pages. Mais je ne vais jamais enquête là. Je ne vais jamais demander des CPJ. Parce que l'enquête là, dans la tête. Moi, je vis douleur, moi, je vis la difficulté de nous mener l'enquête. Nous menons l'enquête, ça, sans nous. Déplacement en province, à chercher mon DCPJ. DCPJ, c'est le directeur central de la police, c'est un collègue. Il est très proche de moi, en tant que professionnel. C'est un non-professionnel, un technicien, qui sont enquêteurs, des informations. Toutes les sont équipes discrètes. Nous avons de grands rapports, mais nous respectons le travail. Mabzou, ma volonté information ça. DCPJ, son équipe correcte, il y a des leurs, il y a des avancées que je fais, ils disent non, je parle là, parle là. Ok? Je ne vais pas faire accès à l'enquête là, il y a des pères espérants qui disent tiré, on parle ici. Je ne vais pas faire enquête là, non? 800 pages là. Je ne vais pas demander. Son enquête qui fait, son changé, nous avons une collaboration et Interpol. FBI débarqué, la direction d'intelligence nationale de la Colombie débarqué. Nous avons 4 entités qui ont fait enquête avec nous. C'est ça qui fait, dans moins de 30 jours, nous avons arrêté les gens. Nous avons un commissaire gouvernement très dynamique qui a travaillé tout. Nous avons arrêté tout le monde, nous avons arrêté, sauf que c'est plus difficile. Donc, nous avons été à distance. Pendant ma instruction, et surtout que c'est côté qui a une difficulté. Si par un cob, vous faites déplacement en province, nous faisons plusieurs, on a cherché Mme Coq en province, dit caché. Et nous ne nous pas de jeunes malheureusement, il y a l'autre monde. Donc, son enquête, nous menons avec son, avec professionnalisme, enquêteur, PAC, DCPJ. C'est des professionnels qui sont dans DCPJ, en pile respect pour eux. Donc, le Pierre Espérance dit, comme vous tirez une enquête là, c'est parce que Pierre Espérance est rentré dedans. Il y a des policiers qui ont infiltré. L'ancien directeur général a dit dernièrement, le type, il a contrôlé tout le bagaille, il a corrompu pour qu'il y ait accès. Mais, pas jamais. La seule enquête que j'ai eu, c'est résumé à 125 pages là, sans amis du gouvernement. Je m'a même demandé des CPG. Donc, pas pas gagné à faire de mots tirés, page, patate, patate, c'est fabrication puis espérance et puis la plaque, il le résout. DG Charles, gagne monde qui croit que c'est un petit peu une légèreté. Et si vous vous déplacez en tant que directeur général de la police pour aller. Pour déplacer, pour un petit bois, pour rencontrer un monde sans un motif réel pour son sujet si sérieux, qui c'est une promesse, quand on parle de promesse pour un ministre ou un premier ministre, alors qu'on déjà un directeur général, et pas rien de sérieux qui fait en termes de suivi réel à la situation petit bois, Monsieur Charles. Non, mais, qui ça me dit, monsieur Relem, ou même, je ne pas dire que je suis le président. Mais il y a des gens qui disent que, il y a des bagages, si tu es fait président, tu es capable de pas assassiner. Alors que Thibault a fait le 7 février, où tu es déjà directeur général, 6-7 juillet, ou toujours directeur général, on fait observateur capable de dire que, mais, qu'est-ce qui a été fait pour empêcher l'assassinat du président? C'est une question que nous avons posée aujourd'hui, là, M. Charles. Oui, on a fait spéculation, mais bon, ça me fait. Je n'ai pas arrêté, je n'ai pas rencontré les gens, je n'ai pas eu un coup d'état fait, je n'ai pas participé. Non, je suis le président, je suis formé une instance internationale qui a dit qu'il était là-dedans. Et puis, finalement, opération a été faite, je participe
dans l'opération pour arrêter Mounio Tibois. Ok? Mounio al dans briso. Gon l'autre offensive qui fait pour lagué. Mounio lagué. La police a continué de travailler. Sauf que yon change de stratégie. Yon corrompt l'unité de sécurité. Président. Mais moi fais ça pour faire. Ok, monsieur Charles. Est-ce que selon vous-même, il y a des gens qui n'ont ordonnance là, pas ta doué la donne, et des gens qui pourtant n'ont ordonnance là, qui pas la donne. Bon, moi-même, je parle de. Et son on bat des enquêtes, c'est des interrogatoires qui fait pendant 20 mois. Et mais si je suis capable de. Nous passons à côté, ou de l'ouest. Pour confirmer ça, il faut que vous ayez preuve, vous ayez fait. Vous n'êtes pas capable de vous battre, Joe Pierre Espérès, et vous avez dit que vous impliqué. Non. Et pas de fait. Pas de analyse approfondie, enquête approfondie qui est faite. Ni niveau d'importance pour vous avez baillé enquête là. Enfin, enquête là, ou du moins c'est. Et travail juge là. Il n'est pas arrivé dans le niveau pour l'arrivée là. Donc, côté moment cassé. Ça concerne moi-même, on juge traité de volet, de crime. Il faut me défendre l'homme. Parce que moi, les Léon Charles, c'est Léon pour moi. Charles, là, c'est pour Timounio, pour moi-même. Donc, moi, je suis retiré comme dans le gouvernement, parce que je me suis pas à l'aise. Les gens arrivent, ils m'entendent ambassadeur, ils font sortir. Ils font paraître comme un criminel. Tout le côté, Léon Charles, ambassadeur, après, je me dis, je ne peux pas prendre ça. Qui réaction? Ça veut dire, je ne vais pas parler de l'autre monde. Tout le monde, je vais parler peut-être, je vais parler tout pour enquête président. Finalement, faisons-le. Qui réaction? Qui réaction, ministre supérieur ou? Qui réaction, premier ministre, là, après, au final, prendre qu'on démissionné? Non, et premier bar, je fais, mon cher, c'est 35 ans que je fais dans l'État. Donc, je dis là, et Gakot, et la police et diplomatie. Donc, c'est police, l'armée, diplomatie. Donc, carrière, 35 ans. Je suis presque arrivé dans le, je suis prêt à retraite. Mais c'est bien malheureux, c'est comme ça m'a sorti. Je voulais être correct. Je démissionné en tant que représentant permanent à l'OEA, mais je demeure un ambassadeur. Et puis devant, je suis prêt à retraite. Ce que j'ai fait, avant que je me rende public, j'ai écrit à mon ministre. Je vois un texte pour lui. Je vais la veille, je dis ministre, la situation, mais ça a privé parce que je demeure en subalterne de ministre. Sa réaction. Le ministre m'écrit, je vois l'être là-bas. Je lui dis, je ne vais pas la BM. Et je ne vais pas venir là pour dénoncer personne. Je viens là pour défendre un homme et par ricochet, défendre. Et faire promotion pour le président de la justice. C'est ça qu'il fait là. Ok. Même pas venir casser, accuser personne, parce que ça qui a sorti, il a sorti quand même. Mais il faut le président de la justice. Je vous pose une question encore. Qui ça, Mounio Diou, le PM, à qui vous avez parlé, aussi le ministre des Affaires étrangères, qui ça, Diou, l'a annoncé au corps pour tirer corps du gouvernement pour capable mettre disponible pour la justice et même défendre tête ou défendre non, ça, Diou? Non, mais je ne vais pas révéler la conversation que j'ai avec le ministre PM. Okay? Mais le fait que je suis sorti. Je suis sorti sans fracas. Je vais faire fracas puis devant parce que c'est le dossier. Mais moi fais conduite régulière. Je ne parle pas à la ministre, je ne parle pas à la PM. Non? Et là, je ne suis plus représentant permanent d'Haïti. Bien entendu, on peut me supposé faire avec conseiller avocat, n'attendre que ordonnance a signifié et ben nous pour nous faire ce que de droit et faire appel, river jusqu'à ce que côté pour river. Et Léon Charles continue de pour défendre nous et l'autre phase que en tant que président va prendre n'a pas là pour nous faire. Sauf que je dois le dire, je ne me sens pas en sécurité.